Roissy Charles de Gaulle. La grande cohue de l'embarquement. Il faut faire la queue derrière là. Probablement notre appareil. À bord de l'avion de la Malaise. Et là, le petit père. Et je suis à côté du hublot. Avion. Them off immediately. The in-flight magazine contains the list of equipment that can be used when the aircraft has reached its final cruising height. The fasten seatbelt sign is on. Please note that this is a non-smoking flight. Smoking is not permitted for the whole duration of the flight. If you need any assistance, don't hesitate to contact the cabin crew. L'aéroport de Budapest. Vers notre hôtel. L'hôtel Griff Junior dans lequel nous sommes descendus. Un hôtel modeste dans lequel il y a beaucoup de jeunes. La rue Bella Bartok. Pas aussi place que les Champs-Élysées. Une ville un peu grise par ici. Le tramway de Budapest. Des appartements un peu mieux. La voirie a besoin d'être refaite. Nous longeons la rue Béla Bartok en direction du Danube. Les façades ont besoin d'être refaites. Toujours la rue Béla Bartok. Place Kostolany. Aussi à Budapest.
sommet du mont Gellert, où nous allons aller tout à l'heure. Heureusement qu'il y a des ombrages, car à 9h du matin, il fait déjà très chaud. Et oui, l'occupation soviétique, c'est fini. Les collines entourant Budapest. Ça tombe un peu en ruine. Rénovation est en marche. Un boulevard qui ressemble à ceux de Paris. Au fond du boulevard, nous apercevons le pont de la Liberté. C'est vraiment très passant cette rue Béla Bartók. Les bords du Danube. Le pont de la Liberté. Le fameux hôtel Gellert, Gérard, qui abrite des bains thermaux. Gellert. Dans le lointain, le château sur la colline de Buda et la pointe de l'église Matthias. Le Danube, second fleuve d'Europe après la Volga. Les collines de Buda. Sur la rive droite du Danube, c'est la vieille ville de Buda,
Et sur la rive gauche, c'est la ville moderne de Pest. Magnifique panorama sur Budapest. Le pont Elisabeth. Les collines à l'ouest de Budapest. La perle du Danube en direction du pont Elisabeth. Calcaire du mont Gellert ou Gérard que nous allons gravir. Église paroissiale de la cité. Le pont de la liberté. Le bâtiment des bains Roudas, des bains ottomans. Derrière le pont Elisabeth, on commence à apercevoir le pont des chênes. Les bains turcs Roudas. Possibilité de faire des excursions, des croisières sur le Danube avec ces bateaux qui remontent jusqu'à Saint-André, Visegrad, Esztergom. Le pont des chênes. On voit bien que le pont Elisabeth a été reconstruit après la Seconde Guerre mondiale, car les Allemands ont détruit les ponts sur le Danube en fin 1944, début 1945, lors de la conquête de Budapest par les troupes soviétiques. Le monument à Saint-Gellert, Saint-Gérard, qui a christianisé la Hongrie. Ça ne lui a pas porté chance, une révolte païenne l'a assassiné. À l'assaut du mont Gellert, 140 mètres, le pont de la liberté. Nous sommes vraiment très contents d'être à Budapest, c'est vraiment beau. Face sud du château royal qui abrite pas moins de 4 musées. La statue de Sissi, reine de Hongrie. Elisabeth, née dans une famille bavaroise, les Wittelsbach. Elle a épousé l'empereur d'Autriche, François-Joseph. Elle avait également la couronne de reine de Hongrie. Elle était très appréciée du peuple hongrois, dont elle savait la langue à la perfection et le parlait sans accent. Elisabeth en hongrois se dit Erzsébet. Elle mourut à Genève en 1898, assassinée par un anarchiste italien. Monument en bronze. Dans un petit square bien tranquille, à côté du Danube et au pied du mont Gellert.
pont Elisabeth. Le pont des Chênes et le parlement néo-gothique, construit en 1902. Il a été détruit pendant la Seconde Guerre mondiale, mais il a été reconstruit. Face au pont Elisabeth, nous commençons l'ascension du mont Gellert. Des panoramas sublimes sur Budapest nous attendent. La coupole turque des bains Rudas. Une rude ascension, mais qui ne peut faire peur à des marcheurs comme nous. Et voici Saint-Gérard, Saint-Gellert, qui a été noyé par les païens en 1046. Il n'y a pas qu'à Paris qu'il y a des tags. Juste en face, Pest. Juste au nord du mont Gellert, la colline du château, château royal, les collines du nord de Buda, le pont des Chênes, le pont Marguerite et l'île Marguerite, le parlement néo-gothique à Pest. Rive droite, le long du Danube, le quartier de Visibaros, la ville des eaux, car autrefois le Danube, lors de ses crues, envahissait souvent ce quartier. La montée à la citadelle. Budapest compte 2 100 000 habitants, c'est-à-dire un cinquième de la population hongroise totale. Vers le nord, on arrive dans la vieille ville de Haut-Buda. Margit-Sziget, l'île Marguerite. Pest. Le quartier de Taban, ce mot est d'origine turque. Il signifie quartier des tanneurs. «
le bastion des pêcheurs. C'est vraiment la perle du Danube, vers le sud, et la grande plaine hongroise, Nagy Alföld, le monument de la libération. Construit juste après la Seconde Guerre mondiale, une femme de 14 mètres qui dresse une palme vers le ciel. De très beaux points de vue à Budapest. Derrière le parlement néo-gothique, on aperçoit l'île Marguerite, qui est un des poumons verts de Budapest. Et l'un des lieux où les Budapestois se rendent le dimanche. Les clochers à bulbes, l'art baroque, témoignent de l'emprise autrichienne sur la ville. Le monument de la libération, d'inspiration très soviétique, mais les Américains sont arrivés depuis. Le sud de la Hongrie est une région plate. C'est vraiment une vue imprenable qu'on ne se lasse pas d'admirer. La citadelle dans le haut du mont Gellert. Elle a été construite en 1851 sur ordre de François-Joseph à la suite de l'insurrection des Hongrois en 1848-1849. Les boutiques de souvenirs. Le pont des chênes a été construit par un Écossais, Adam Clark. La citadelle vers le nord. L'église Mathias et son toit de tuiles vernissées. Elle est chère au cœur des Budapestois. Le vieux Buda est assez boisé. C'est pas un mal car il fait très chaud. La citadelle abrite un hôtel et un restaurant. C'est un lieu hautement touristique. Avec ses boutiques de souvenirs. Une croisière, peut-être vers la boucle du Danube. L'île Marguerite et sa pointe. Les sous-bois du mont Gellert, très agréable pour cette chaleur. En redescendant vers le quartier de Taban, autrefois c'était le mont des sorciers et des sorcières, et maintenant c'est le lieu de rendez-vous des amoureux. À l'abri du bruit des voitures,
Ce cadre de verdure nous permet vraiment de bien apprécier Budapest. Voilà qui rappelle l'architecture lombarde. Tabani Plebania Templum. Le parlement néo-gothique. Nous allons y faire un petit tour. Nous sommes redescendus du mont Gellert et nous sommes dans le quartier de Taban, à proximité du Danube. À plus tard, Gellert, architecture rappelant le style flamand. Et nous longeons à nouveau le Danube. L'église de Taban. Toit de tuiles vernissées. Elisabeth, le pont des chênes, ce sont les danses tziganes. Le dôme du château royal. Le pont des chênes d'Adam Clark. Les lions du pont aux chênes. Le château royal. Et ici le funiculaire qui permet d'accéder à la colline. Le cyclo.
mène sous la colline du château. Comme c'est dommage que ce beau bâtiment baroque soit tagué. Le pont des chênes qui va de l'autre côté jusqu'à la place Roosevelt. Parlement néo-gothique dans toute sa splendeur. Le mont Gellert. L'Institut français, le drapeau hongrois, vert, blanc, rouge, comme le drapeau italien, mais en sens contraire. L'église Mathias. La façade du Parlement est en restauration. L'église calviniste et son magnifique toit avec des tuiles vernissées. Cette promenade le long du Danube est bien agréable. Il y a un souffle de vent qui nous rafraîchit. Façade de l'église réformée. Sainte-Anne, sur la rive de Lida. Erreur, il s'agit de l'église Élisabeth. Voici l'église Sainte-Anne. La place Battiani. Qui fait face au Parlement. C'est pas Venise, mais presque. Façade de l'église Sainte-Anne. Le quartier de Vizy-Baroche. Midi. Une petite pause sur la place Battiani. Allons visiter l'église Sainte-Anne. Sant'Anna Templum. La charité, l'espoir et la foi. L'église est hélas fermée. Ce sont les heures du midi. Ce sera pour une autre fois. La place Battiani. Les halles sont en rénovation. L'auberge de la Croix-Blanche. L'église Sainte-Élisabeth est-elle fermée également? Façade baroque de l'église Sainte-Élisabeth.
était fermé. Revenons sur les bords du Danube. Nous avons déjà fait beaucoup de chemin depuis le mont Gellert. L'île Marguerite. Place Batthyány. Le pont Marguerite. Le pont Marguerite a été construit par des Français. Place Joseph Bem. Vue imprenable sur le château royal. Nous allons traverser le pont Marguerite pour voir la ville de Haut. Ça circule dur sur le pont Marguerite. On n'y danse pas comme sur le pont d'Avignon. Le mont Gellert. La colline du château, le Parlement, en amont l'île Marguerite. Le beau Danube gris. On plongerait presque dedans, car à l'heure où je filme, il fait une température au moins 35 degrés. Les collines au nord de Budapest, la vieille ville d'Obuda. La route pour aller sur l'île Marguerite. La chaleur devient de plus en plus accablante. Place Marie. Saint-Étienne. Jolie Hongroise. Église Mathias. Des ombrages. Et nous voici sur la rive gauche, à Pest.
y a des espaces verts. Le square à côté du Parlement. Laios Kossuth. La place Laios Kossuth. Voici un instrument qui nous est bien utile, une bouteille thermos, sans quoi je crois que nous serions déjà morts alors qu'il est. Et voici une destinée à laquelle Kossuth ne s'attendait pas. Il sert de perchoir à pigeons. Laios Kossuth. La visite du Parlement. Façade est du Parlement. Ah, faudrait pas qu'elle nous arrose, elle. Un monument aux victimes du soulèvement de 1956. On ne connaît pas le hongrois, mais il y a quand même des mots qu'on comprend. Statue du prince Rákóczi, qui lutta contre les Habsbourg. La ville moderne de Pest. Église Matthias et église réformée. Église Sainte-Anne que nous n'avons pu visiter. Certains bâtiments sont tellement en décrépitude qu'il faut protéger les gens. Rue de l'Académie. De beaux bâtiments Mittel-Europa. Le Château Royal, place Roosevelt. Académie hongroise.
Le temps commence à devenir un peu orageux. Le cyclo. Le château royal depuis la place Roosevelt. Place Roosevelt, il y a beaucoup de circulation aussi. Tout ça, c'est à repeindre. Toujours à Pest. Les bureaux de la Malève, notre compagnie aérienne. Place Voroche-Marty. Le quartier piétonnier de Pest paraît bien agréable. La maison Gerbeau, l'un des cafés les plus réputés de Budapest, toutefois après le café New York. Une place très agréable et nous avons mangé une glace chez Gerbeau. Kiosque à journaux. La presse internationale. Y a-t-il des journaux français ? Aujourd'hui ? Un air très européen par ici. On n'a pas l'impression qu'on est dans un pays pauvre. Voici une collection d'œufs qui pourrait plaire à ma mère. Il faudra que je revienne. Le quartier de luxe. Cette rue piétonne est particulièrement réputée. Quelle influence! Rue de Paris. Le pont Elisabeth. Vue depuis le pont de la Liberté. Le mont Gellert, la colline du château, le pont Elisabeth,
le pont de la Liberté qui a été inauguré en 1896 par François Joseph. Il était d'ailleurs appelé à cette époque-là pont François Joseph. Le sud de Budapest qui se construit. On aperçoit derrière l'hôtel Gellert. La pointe sud du mont Gellert.